c'est le gouverneur Sadou Keïta qui a procédé au lancement officiel de la première épreuve du BEPC, session 2017 dans la commune rurale de Popodra, située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la préfecture de l'Abbé. Les élèves assidus n'ont pas de problème. Les élèves qui ont bien appris n'ont aucun problème. Et je voudrais vous dire que il y a des dispositions qui sont prises par le gouvernement guinéen. Vous avez entendu parler de tolérance zéro. On ne copie pas. On ne copie pas. On ne prend pas ce que l'autre a appris. Tu prends ce que tu as appris. Selon l'inspecteur régional de l'éducation, tous les acteurs mobilisés pour le BEPC session 2017 sont dans la dynamique du slogan « Tolérance zéro vers l'excellence ». Je vous ai dit qu'au sortir des ateliers préparatoires des examens 2017, tous les participants se sont engagés dans la promotion du mérite, de la valeur intrinsèque des candidats contre le laxisme, contre la facilité, contre la tricherie. Donc je suis sûr que tous les jurys qui ont été mis en place sont dans ce slogan et nous espérons que ça se passera au mieux. Avec 203 candidats au BEPC session 2017, Popodra affiche le taux de scolarité le plus élevé parmi les collectivités rurales relevant de la préfecture.